Main. Ça va le faire. Je vais y arriver. C'est un peu n'importe quoi aujourd'hui, je suis désolée. J'ai coupé la chic parce que ça devient un peu compliqué. Voilà, en montant, m'entend pas, je ne sais pas. Coucou, reçu. Bon, j'espère que vous allez bien, parce que là, je commence à être un petit peu déstabilisée par tous ces petits événements qui m'arrivent en même temps. Mais c'est pas grave, vous savez qu'aujourd'hui, c'est lundi, et le lundi, c'est toujours un peu le couac. Donc, on se retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, pour une séance en live. Donc, ça, c'est top. Et pour une séance, on va dire, plutôt intense en termes de cardio. Donc, dans lesquelles on va faire un petit peu de circuit original. On va changer, on va varier, on va trouver des solutions pour nous bouger les fesses. Et voilà, compris. Oui, j'ai compris. On ne rejoint pas l'audio ici. Non plus. Et toujours pas, j'ai compris. Voilà. Bon, allez, ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne. Génial. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour donc faire ce circuit cardio dans lequel nous allons. Bon, alors, premier circuit, nous n'avons pas réellement besoin de poids puisqu'on va faire que au poids de corps et on va avoir besoin d'une chaise pour faire un exercice dans lequel on va faire un jump squat plus une montée de. Ensuite, l'idéal, ce serait, si c'est possible pour vous, de prendre des petits poids et de les poser par terre. Ensuite, on verra si ça peut le faire. Je pense que ça devrait le faire. Alors, voilà le circuit. Donc, le premier circuit, il va alterner donc des phases de 45 secondes d'exercice, 10 secondes de repos pour passer, enfin de repos, du moins, oui, de reprise pour pouvoir passer à l'exercice qui suit. D'accord? Donc, comment ça va se passer? Donc, en fait, on va faire donc, 45 secondes d'exercice sur un intervalle donc, de 4 exercices et sur 5 tours. D'accord? Donc, ça va durer quand même 20 minutes. Donc, j'espère que l'autre chose ne va pas lâcher, c'est-à-dire mon petit planning que j'ai prévu. Voilà, donc 45-15, ce qui fait, selon mes calculs, sont bien la minute. Ensuite, on va faire un deuxième hit là sur 12 minutes entièrement où là on ne va que faire le circuit des exercices. Alors, quels sont les exercices? Donc, je vous les montre de suite. On va avoir un circuit de 45 secondes de 4 jumping jacks. 1, 2, 3, 4 et 4 montées de genoux. 1, 2, 3, 4 et on reprend 4 jumping jacks. Deuxième exercice est un peu plus, on va dire, corsé. Donc, celui-là, c'est quoi? On va faire, donc, l'idée, c'est de sauter. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis des poids. On saute 1, 2, on touche les genoux, on remonte. 1, 2, touche les genoux et on fait jumping, pardon, burpees. Et on reprend. Saut, saut, touche les genoux. Saut, 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 touche les genoux. Voilà, ça va être le deuxième exercice, 15 secondes de repos. Donc, on verra si on fait peut-être deux tours, un tour. On verra, on s'en fiche. Ensuite, on va avoir donc l'exercice sur la chaise où on se met face à la chaise. L'idée, c'est de ne pas vous tomber. Donc, vous faites. Alors, je vais peut-être mettre la chaise. Je vais peut-être la mettre là. Est-ce que vous me voyez encore? Je ne sais pas. Vous voyez encore? Non, on ne voit plus la chaise. Et ici, on voit la chaise. Jump squat. On monte une fois, on redescend. Jump squat. On monte et on redescend. D'accord? Ça, c'est le troisième exercice. Le quatrième exercice, en planche, jumping jacks, 4 fois et 4 touch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, genoux, coude. Voilà. Pour ceux qui ne peuvent pas sauter, vous pouvez faire donc les jumping jacks classiques. Montée de genoux sans sauter. Les sauts, vous les faites 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et les burpees, vous pouvez très bien faire un burpees pour retourner et un burpees classique. Voilà, donc sans les sauts. Pareil pour le jumping jacks au sol, vous pouvez les faire
en tenant simplement et en prêt pour ce qui est du touch genou. Vous pouvez le faire à genoux, c'est-à-dire en étant à genoux et toucher comme vous pouvez. Voilà. Vous mettez à la version que vous voulez, à la vitesse que vous voulez, et vous avez donc le circuit sur 5 tours. Donc, c'est long, 20 minutes, c'est de l'endurance. L'idée, c'est essayer de faire le maximum de mouvements dans les 45 secondes et de donner à chaque fois son maximum. Mais évidemment, le temps passant, vous allez réduire la qualité des exercices. Voilà, j'ai déjà assez parlé comme ça, étant donné que je suis un peu à la bulle dans mon organisation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre mon petit chrono pour être sûr de vous avoir pas trop longtemps. L'idée, c'est de tenir 45 minutes, pas plus, parce que le lundi, c'est cardio. Et on a deuxième petit hit de 10 minutes, 12 minutes, et ensuite, on termine par du cadrage. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, mettez vos poids pas loin. On va juste faire un petit warm-up de quelques secondes. Donc, on va se réveiller les jambes. Et on va... oui, c'est vrai que j'ai oublié même de boire mon petit café. On va faire notre petit circuit tranquille. Allez, on y va pour 20 air squats. Air squats, c'est quoi? C'est des squats à vide. Hein, c'est des extensions, comme on dit ça, comme on dit dans le monde du sport bien calé. Donc, on y va pour 20 air squats. Allez, 1. On les fait bien. 2. Profond, on peut même écarter si on veut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on reprend encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, on se met au sol et on va essayer de faire une vingtaine de touches jambes. 1, 2, 3, tendez bien la jambe, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous voulez, vous pouvez le faire sans poser les genoux. C'est totalement... les jambes, c'est possible. Sinon, vous posez le pied. 8, 9, 10. OK. On se relève. On se place, on pompe. Et on y va pour pomper 10 fois. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on se détend bien. On s'étire à l'arrière. On souffle bien. Et on est parti. Allez, je prends en main le timing. Prepare. 10 secondes. Dans 10 secondes, on commence par 4 jumping jacks, 4 montées de genoux. Et on est parti. Allez, on se motive, on y va. On souffle bien. Allez, top. Allez, 1, 2, 3, 4. Montez de genoux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, on monte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, on continue. On s'arrête pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 15 secondes de repos. On y va. On se place. Saut, saut genou, saut, saut genou. Burpees, 2 fois. Allez, saut, saut genou. Saut, saut genou. Burpees, 1. On remonte, on tourne. 2.
compte sur soi-même. Burpees. Et on recommence. Allez. Saut, saut, jump. Saut, saut, jump. Burpees. 1. On tourne. 2. Et on recommence. Allez. Saut, saut, jump. 15 secondes. On respire. On part en jump squat et on monte sur la chaise. On souffle. Allez. 4, 3, 2, 1. Allez. Squat. On monte. Jump 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 squat. On monte. Allez. Jump squat. On monte. Allez. On continue. Jump squat. On monte. Allez. Jump squat. On monte. Ah, je n'ai pas changé de jambe. On change de jambe quand même. Hein. Top. 15 secondes. On respire. On est parti au sol. Allez. On souffle bien. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, 4 jumps. Jump. 1, 2, 3, 4. On touche genoux. 1, 2, 3, 4. Jack. 2, 3, 4. Genoux. 1, 2, 3, 4. Genoux. Jack. 2, 3, 4, genoux, 1, 2, 3, 4, je mets sur le côté, jack, 2, 3, 4, genoux, 1, 2, 3, 4, allez jack, 1, 2, 3, 4, genoux, 1, 2, 3, 4, 15 secondes, on reprend. Deuxième tour. Allez, on souffle bien. On y va. Allez, il est fun celui-là. Top. 1, 2, 3, 4. Genoux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genoux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genoux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, genoux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, genoux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, genoux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mine de rien, celui-là, il chauffe. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4. Top. Allez, on est parti pour nos sauts. Allez, soit avec ou sans poids par terre, mais faites le touch genou à la fin. Allez, 5 secondes, on respire. Allez, top. 1, 2, genoux. 1, 2, genoux. Burpees. On saute, on tourne. Burpees. Allez, on recommence. Saut, saut, genoux. Saut, saut, genoux. Burpees. Allez, on tourne. Allez, on recommence les sauts. Ça n'arrête pas. Saut, saut, jump. Saut, saut, jump. Allez, burpees. On remonte, on tourne sur soi. Allez, burpees. Et on recommence, on remonte, saut. Saut, saut, jump. Saut, saut, jump. Yes. On souffle. Allez, on part pour les jump squats. 2, 1. Allez, jump squat. On monte. Jump squat. On monte. Jump squat. On monte. Allez, jump squat. On monte. Allez, jump squat. On monte.
Vous n'oubliez pas de jumper, vous faites que le squat. Ou quand vous n'en pouvez plus. On monte. Allez, jump squat. On monte. Allez, squat. On monte. Allez, jump squat. On monte. 3, jump squat. Stop. Faites-le à votre rythme. Hein. Si vous allez moins vite que moi, ce n'est pas grave. Faites. Allez, on est parti. Plank, jack, genou. Allez, 1, 2, 3, 4, genou. 1, 2, 3, 4, plank. 2, 3, 4, genou. 1, 2, 3, 4, plank. 1, 2, 3, 4, genou. 1, 2, 3, 4, on danse. 1, 2, 3, 4, on danse. Genou, 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 genou. Ouvre, 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 ouvre. Genou, 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 genou. 1, 2, 3, 4. Genou, genou, stop. 15 secondes. Second round terminé. Allez, on arrive à presque la moitié là. On y va. Jack, jack, genou. On est parti. 3, 2, 1. Allez, 1, 2, 3, 4. Montez genou. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, ouais. On y va. Wouhou, ça pique. 1, 2, 3, 4. Génial. 1, 2, 3, 4. Montez genou. 1, 2, 3, 4. Allez. Ça n'arrête pas. Allez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On monte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Top. Allez. Après avoir fini celui-là, on aura fait la moitié. La moitié du circuit. Ça, c'est top. Allez. On se prépare pour les sauts. Allez, on saute, genou. Saut, saut, genou. Saut, saut, genou. Perquise. On se retourne. Perquise. Super. Allez. 1, 2, genou. 1, 2, genou. Perquise. Allez. À son rythme, le perquise comme on peut. Allez. On tire mon pas ou un sur deux. Allez. 1, 2, genou. 1, 2, genou. Burpees. Allez. On se retourne. On essaie de faire le mouvement. Allez. 1, 2, genou. Top. On respire. Allez. 5 secondes. Évidemment, j'ai mon petit lacet qui fait la gueule. C'est top. Allez, squat. Et on monte. Jump squat. Et on monte. Jump squat. Et on monte. Allez. Jump squat. Et on monte. Allez. Squat. Et on monte. Allez. Squat. On tient, on tient, on tient, on tient. On a fait plus de la moitié, ça y est. Jump squat. On monte. Allez. Jump squat. On monte. Allez. Jump squat. On monte. Allez. Jump squat. On monte. Stop. Ouh. Allez, on respire bien. On y va pour la danse au sol. Allez, jumping jacks, genou. Allez, top. 1, 2, 3, 4, genou. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, genou. 1, 2, 3, 4. Allez, 1, 2, 3, 4, genou. 1, 2, 3,
quatre genoux. Un, deux, trois, quatre genoux. Un, deux, trois, quatre. Wouhou! Un, deux, trois, quatre. Allez, genoux, genoux, coude, coude. On y va. Un, deux, trois, quatre. Allez, coude, coude. Et top. Wouhou! Third. Quatrième. Allez, on avance vers la fin. Ouh, ça pique, ça pique. Ça réveille. Allez, 3, 2, 1, stop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, 1, 2, 3, 4. On monte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, on tient. On y va. 1, 2, 3, 4. Wouh. Allez. 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Excusez-moi, ça va être avant. Allez, saut, saut, genou. Saut, saut, genou, burpees. Tu l'as? On va y arriver. C'est la bonne dernière fois. Allez, saut, saut, genou. Saut, saut, genou. Burpees, 1. On tourne, 2. Allez, saut, saut, genou. Saut, saut. On monte. Montez vos genoux le plus haut possible. Le plus possible. Allez, 2. On remonte. On y va. Saut, saut, genou. Saut, saut, genou. Essayez de monter vos genoux. Même moi, je n'y arrive plus. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est d'essayer. Quand vous faites le mouvement, allez au max. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On respire. 10 secondes. Squat. Et montez sur la chaise. 2, 1, allez, on en saute, on monte, on saute, on monte, allez les gens, on va y arriver, allez, ouh. Allez, squat, on monte, allez, squat, on monte, allez, jump squat, on monte. On change de jambe, pas comme moi. Allez, jump squat. On monte. Allez, jump squat. Si vous ne voulez pas monter de jambe, si vous montez sur la chaise, ce n'est pas grave. Hein. Vous pouvez faire simplement une montée de genoux. Hein. Ça marche aussi. Top. Allez, on va danser par terre. Allez, 10 secondes. Allez, allez. Allez, 1, 2, 3, 4, on y va. 1, 2, 3, 4, on y va. 1, 2, 3, 4, on y va. 1, 2, 3, 4, on continue. 1, 2, 3, 4, on y va. 1, 2, 3, 4, on continue. 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 1, 2, 3, 4, wouhou! 1, 2, 3, 4. Ouh, même moi, j'ai pas dit. Top. Allez, on respire 15 secondes. On respire 15 secondes. Ouh. Même moi, je suis crevée. 2, 1, stop. C'est la terre, si je compte bien. 4, allez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Allez, on y va. C'est le der. Dernière fois qu'on le fait celui-là. Allez, saute, saute, genou. Saute, saute, genou. Allez, saute, saute, genou. Saute, saute, genou. Burpees. Allez, on change. Burpees. On remonte. Saute, saute, genou. Saute, saute, genou. Allez, essayez d'aller toucher vos genoux sans trop baisser les mains. On retourne. Allez, on donne. On est là pour du cardio. Allez, 1, 2, genou. 1, 2, genou. Allez, on se reposera plus tard. Quand ce sera fini, ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas durer une éternité non plus. Vous n'allez pas faire ça toute la journée. Allez, top. 15 secondes. Oh, c'est passé, hein. Qu'est-ce qu'ils vont mettre? Allez, tiens. Jump squat, montez. Allez, jump squat, on monte. Jump squat, on monte. Allez, jump squat, on monte. Allez, jump squat, on monte. Allez, allez, on tient. Jump squat, on monte. Excusez-moi, j'ai refait mon petit caca. Avec la même jambe, je sais pas ce que j'ai. Oh. Allez, je vais faire la même jambe deux fois pour rééquilibrer un peu. Allez, on est parti. Jump squat, on monte. Allez, jump squat, top. Ouh. On y va au sol. Pour la danse et les canards. Qui en sortant de la main sont complètement mouillés. Ah, et sont crevés. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Allez, 1, 2, 3, 4. On monte. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est le dernier exercice. On donne tout. Allez, ça fait mal aux jambes. Ça fait mal aux bras, je sais. 1, c'est normal. 2, 3, 4, c'est normal, vous travaillez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quand vous réfléchissez, vous travaillez longuement, ça fatigue aussi, c'est pareil. Vous arrêtez pas, on dit, ah, là, c'est trop fatigant, hein, j'arrête. Hein. Je travaille pas. Allez, 1, 2, 3, 4. Stop. Ben voilà. Ouh. Eh ben c'était chaud patate, hein. Ah, j'avoue que c'était chaud. Mais c'était super fun, j'ai adoré. Voilà, c'était trop bien. Alors les sauts n'étaient pas terribles parce que j'ai pas une super amplitude chez moi. Si vous voulez faire plus d'amplitude, allez-y. Mais c'était dynamique, c'est exprès de faire un peu d'explosivité. Là, on va travailler plus en force. Donc, alors, je vais devoir régler ça, évidemment. Mon petit caca. Allez, respirez bien. Super. Vous avez réussi les mômes de 20 minutes. Ça, c'est génial. C'est top, top, top. En plus, je n'avais pas besoin de matériel, vraiment. Alors, la chaise, pareil, hein, si vous ne vouliez pas faire la chaise, vous aviez juste à faire éventuellement la montée de genoux. Mais au moins le jump squat ou le squat. Ok, on va arranger ça. Je sens que ça va être une catastrophe par terre. Ça. Voilà. Ok, tiens. Bon, pas grave. On va régler ça avec une serviette toute neuve, tant pis. Allez, on respire un bon coup. On va passer à l'émom, enfin, le hit suivant, qui est donc un AMRAP de 12 minutes. Pendant 12 minutes, on va faire 4 exercices.
Je sens le casse-gueule là, je ne le sens pas du tout. Bon, c'est pas grave, allez, je continue à parler. Alors, donc, pendant 12 minutes, on va faire un nombre d'exercices, enfin un nombre de séries. Alors, 4 exercices avec un nombre de répétitions, je vais y arriver, qu'on va reproduire jusqu'à la fin des 12 minutes. Ok? Alors, on va faire avec des poids légers ou pas, vous faites comme vous voulez. Un skieur. Alors, je l'ai fait en boîte ce matin, en test. Donc, le skieur, c'est quoi? Vous allez envoyer loin vos bras en étant penché. On penche et on monte vers l'avant. OK? Pas plus haut que votre visage maxi. D'accord? Donc, on en fait 15 comme ça. Ça va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. L'idée, c'est d'aller très, très vite et vous utilisez vos jambes. Ensuite, on lâche. On a, on part sur un gainage, soit sur les genoux, soit sur les mains, alors les pieds, et on va toucher à droite, toucher à gauche, toucher à droite, toucher à gauche le pied, d'accord? Le tibia, le genou, ce que vous avez, si vous êtes sur les genoux, vous essayez de au moins avoir, pardon, en mettant comme ça, d'avoir au moins le mouvement avec les genoux. D'accord? Ensuite, ça, on le fait 15. Devil press. Ensuite, on reprend ces petits poids qu'on avait et on part pour 10 devil press. Allez, 1, comme ça, on monte au-dessus de la tête. On en a 10 à faire. 10 devil press ou alors burpees classique ou alors juste up and down, mais je veux que vous leviez au-dessus de la tête. Et ensuite, on termine par 5 wall walks sur la chaise. Donc, on se met sur la chaise où on peut et on monte et on descend. Sur la chaise ou sur votre canapé, ça fonctionne aussi. D'accord? Ça, on l'a fait plusieurs fois. On va le refaire ensemble. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez très bien le faire au sol. Donc, en faisant un each one, mais en restant vraiment le plus bas possible. Si vous voulez vous entraîner, c'est possible, d'accord? Le H-form, c'est juste descendre et remonter en planche. Au moins, vous faites quelque chose 5 fois. Donc, on a 15, 15, 10, 5. OK? 4 exercices sur 12 minutes. Voilà, je crois que j'ai tout expliqué. Donc, on va donc tout simplement mettre un timer de 12 minutes. Et quand je vous dis go, on commence par le skiers. OK? Donc, le skieur, vous prenez vos poids et c'est parti. Alors, 10 secondes. OK. C'est parti. Allez, on prend ses poids dans 10 secondes. On y va dans 10 secondes. On respire. On descend bien. Et on y va pour faire du ski. Allez, c'est bientôt la neige ici. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, allez le plus vite possible, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Vous essayez d'aller à votre rythme, si vous n'avez pas fini, vous continuez. Allez, on continue, on se met sur les jambes, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et encore 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on est parti pour 10 devil press. OK, au sol, burpees, 1 et on remonte. 2, 3, 4, 5. 6, 7, allez, 8, 9, et le 10e, 10, OK,
On lâche. Et on continue pour 5 wall walk sur la chaise. Allez, top. On y va. 1, on va au maximum. Et on redescend. 2. Trois, quatre, et cinq, et on remonte. Allez, même si on n'a pas fini, on continue. Allez, on prend ses skis et on est parti. Un, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 5, 4, on pousse, 3, 2 et 1, super, ouh. On pose, on respire si on peut et on est parti pour 15, 1, 2, 3, si vous n'y arrivez pas, dans ce cas-là, essayez de faire au moins la montée de genoux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Allez, 10 débuts de presse. Ouh, ça pique. On y va, on ne s'arrête pas. Allez, top. 1. On monte. 2. 3. 4. 5. 6. On va sur la chaise. On y va. C'est parti. Allez, on monte pour 5. Allez, c'est parti. Top. Allez, on monte une fois. On marque de ce qu'on peut. On redescend. On monte. Et on redescend. Allez, 2. On va doucement. On prend son rythme. 3. 4. Pousse le plus possible sur ses mains, les fesses vers le plafond. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Ouh. Et on redescend. Ok. Ouh. On a déjà fait la moitié, les amis. Allez, on respire. Plus que l'autre moitié à faire. On est parti pour skier, pour moi. Allez. 1, 2, 3. 4, allez, allez, loin, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus de 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. 15, touch pied, on s'en fiche si vous ne faites pas tous les tours. Faites, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est encore 1, 2, 3, 4 et 5. On remonte. Allez, je suis parti. Respirez. Continuez à votre rythme. On est parti pour 10 débuts de presse. Allez. 1. 2, 3,
5, j'arrive pas à voir très vite. 6. Allez, on tient, on tient. Où que vous soyez dans l'exercice, continuez. Faites. Ne vous arrêtez pas. Allez-y plus doucement si vous voulez. Regardez-moi, j'ai ralenti. 9. Et allez, dernier pour moi. 10. Allez, super. On pose. Parti pour 5 wall walk pour moi. Allez, on respire. On y va, on monte. On monte, on monte, on monte, on appuie sur ses... On monte les fesses. Posez. Pas trop à appuyer sur les jambes, mais surtout à pousser sur vos bras et à monter les fesses vers le plafond. Comme un chien tête en bas au yoga, si vous en faites. Sinon, comme si qu'on vous tirait les fesses par les hanches pour vous emmener vers le haut. Allez. Plus que deux pour moi. Allez. Je pousse sur mes bras comme je peux. C'est moi aussi, je suis fatiguée. Allez. On pousse les derniers pour moi. On revient à plat d'abord. Hein, avant de poser son genou. Sans pied. Ok, allez, plus que 3 minutes les amis, 3 petites minutes et après c'est fini. Allez, on y va, allez, 1, 2, on lâche rien, 3, 4, 5, prenez les petits poids, 6, 7, 8, il n'y a pas de saut là, 9, 10, allez, 1, 2, 3, 4 et 5. On pose. Pas tous mes lignes de crayon, ça pique. Allez, on se met sur ces petites mains. On va toucher le pied. Allez, 1, 2. Poussez bien sur vos mains. Utilisez vos mains. Oui, ça fait mal aux poignets. C'est comme ça qu'on les travaille. Il faut travailler la résistance des poignets, les articulations. Supplémentez-vous en collagène bovin, uniquement bovin, s'il vous plaît, pas de marin, pas de plantes, pas de poisson. Le bovin, celui qui vous apportera l'équilibre articulaire si vous en souhaitez. Je ne sais plus où j'en suis, on va dire 10. Travaillez surtout beaucoup votre mobilité. Hein, je ne fais que 3 vidéos par semaine. Vous avez largement le temps dans le reste de la semaine de vous faire de la mobilité. J'en peux plus. Où est-ce que j'en suis? Alors, allez, baby press. On est parti. Allez. Mine de crayon, j'arrive encore à parler. Pour vous motiver. Allez, on s'arrête pas. Moi aussi, je suis fatiguée. Moi aussi, c'est dur. Et même si j'ai de l'expérience plus que vous, ça ne change rien. Je mets plus de poids et je vais plus vite. Donc, je suis au même niveau que vous, vu que je donne mon max. C'est pareil. Allez, 5. 6, 7, 8, 9, où que vous soyez, vous êtes plus près de la fin que du début. Allez, et 10, allez, allez, on lâche. Allez, moins d'une minute, les gars. Moins d'une minute. Allez, on monte. On y va. On pousse sur ses pieds, on pousse sur ses fesses vers le haut. Et on redescend. Poussez sur vos mains, vos doigts. Allez-y. Quand vous tirez les hanches vers l'arrière. Et on revient. Gainez bien, contractez votre ventre en redescendant. Pensez à bien gainer pour votre dos. Vous serez faire des wall walk au mur. Avant la fin de l'année, moi je vous dis. Allez, on va finir. Il m'en reste 2. Allez. Il m'en reste 1. Allez. Je monte, le plus possible. Et on redescend. Allez. 20 secondes. Je termine par les skieurs. Tant mieux pour moi. Allez. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Allez, 1, 2, 3, 4. Wouh ! Fini ! Stop, stop ! Si vous n'avez pas terminé, arrêtez-vous là où vous êtes. Que vous soyez dans votre niveau, il a été excellent. J'en suis certaine de chez certaine. C'est certain que vous avez fait votre max. Vous devez être dégoulinant. Moi, je suis pleine de sueur. Allez. Ah, buvez un coup. Bon, ma serviette. On va la ranger. On va la mettre maintenant à laver. Hein, puis j'ai réussi à la prendre tout propre, je ne vais pas vous faire attendre. Eh ben, ça, c'était un sacré training. Bon, ben, j'espère que vous avez réussi, même si vous n'avez pas réussi tous les exercices, ce n'est pas grave. C'est une séance que je vais remplacer très souvent dans vos programmes parce qu'elle est super à faire une fois par mois pour pouvoir vous permettre d'avancer sur les burpees, la dynamique, les poids, tout ça, tout ça. De toute façon, la variété, c'est ce qui compte. Parce que je me suis fait au bras, mais je me suis fait mal au bras. Voilà, bon. J'espère que vous avez apprécié. On va passer maintenant au gainage. Donc, avec la Swiss Ball, de préférence, si vous ne l'avez pas, ben, comme d'hab, on fera 100. Mais bon, si vous pouvez l'avoir, ce serait génial. OK. Donc, on va partir sur un petit circuit de 30 secondes, simplement. L'exercice, c'est 5 secondes pour changer. D'accord ? Donc, on ne s'énerve pas. On essaye de faire le mouvement comme on peut, doucement. Là, on n'est plus dans le rapide. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 petits exercices. Donc, tout va bien se passer. C'est un rapide petit circuit gainage, sachant qu'on a quand même fait un sacré circuit qui... se dit en passant, à travailler énormément le gainage. Allez, ça, on s'en fout. Donc, on va respirer un bon coup. Je ne me passe à moi. On va aller chercher ce que j'avais déjà préparé. Bon, non, c'est bon, 30. Attendez, je vais juste edit. Donc, on a 18 exercices. Seulement. Cycle. Un seul. Bon, on a 5 minutes 30 de... Attends. Eh, oh, non, t'énerve pas. Yes, allez. On va juste edit. Donc, 10 secondes. OK. Donc, on va prendre la petite Swiss Ball. On va commencer les 30 premières secondes en gainage sur les mains. Vous pouvez prendre des petits poids avec vous, si vous voulez, pour un exercice en étoile. Je ne sais pas si je ne vais pas mettre ma chaise un peu plus loin. Voilà. Allez, je vais me placer avec vous. On y va. Plutôt, on commence. Plutôt, on finit. J'ai appris de Cici Muller, qui n'est peut-être pas votre référence à vous. Vous ne l'aimez pas. En attendant, c'est grâce à elle que j'ai commencé. Et j'espère que ce sera grâce à moi que vous continuerez. Vous, à vous y mettre. Allez, 10 secondes. On y va. On se met pour... Dans 30 secondes sur les gainages sur les mains avant de changer de côté. 3, 2, 1, top. Allez, on part en gainage sur les mains. Évidemment, il faut que ça aussi, ça monte. Allez, on pousse bien. Rétroversion du bassin. Ça veut dire quoi, rétroversion du bassin? Bah, voûtez-vous et essayez de mettre votre bassin, votre pubis vers votre Swiss Ball ou au sol. Vous pouvez faire pareil. Allez, poussez bien sur les bras. Recroquevillez-vous. On fait du gainage dynamique. Vous ne parlez pas votre dos, là. Allez, on change de côté. Et on est parti pour des pompes inversées. 3, 2, 1, top. Allez, on y va. Pompe. On pompe, on pompe. On gagne bien. On va doucement. Moi, j'ai mis toutes mes cuisses, mais vous pouvez mettre que le tibia, c'est plus dur.
Plus votre Swiss ball sera près de vos pieds et plus ce sera dur. Plus elle sera collée sur vos genoux, plus ce sera facile. Comme si vous étiez au sol. Allez, stop. On relâche. OK. On va se mettre droite, gauche. Ah oui. Je mets sur les mains et on tourne avec la Swiss ball. 3, 4, 5 fois d'un côté. 1, 2, 3, 4, 5. On avance devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. OK. On reste là. On se met, pardon, on a versé. Allez, on continue. Et on est parti pour genoux. Et on monte. Pour ceux qui peuvent, genoux. Mettez bien votre tibia et essayez de monter. Allez, genoux. Et on pousse. Genoux. Et on essaie de monter les hanches. Allez, on pousse. Pour ceux qui n'y arrivent pas, faites que du genou, c'est pas grave. Ça viendra. Allez, on prend des petits poids. On s'allonge et on part en crunch. Allez, et on va chercher là-haut. Allez, on va chercher là-haut. Cherchez bien derrière et montez là-haut. Ça protège votre dos si vous n'êtes pas, si vous êtes avec la Swiss ball. Sinon, vous cherchez à monter vers le plafond. Allez. Allez. On se continue, on reste là et on va partir en étoile. Allez. Top. On reste en relo. Et on va chercher derrière. Allez. Pour ceux qui sont au sol, et bien vous vous mettez en relo, c'est-à-dire que vous vous mettez accroupi si vous voulez, ou alors les genoux levés, ou alors les bras, les jambes carrément tendues. Et vous pouvez faire le mouvement. Si vous ne voulez pas mettre de poids, vous ne faites que le mouvement. Ce n'est pas un problème. Top. On passe. On repasse, on gainage sur les mains. On respire. Top. Allez, on retravaille le dynamique. Allez, on pousse bien. On met le bassin le plus possible en avant, on recroqueville et on contracte les fesses, le pubis et son périnée. On le fait en dynamique. Dynamique comme en pilates. 5, 4, 3, 2, 1, top. Pose les genoux. Et on est parti pour un coude avant-arrière. On se met sur les coudes. Et on avance un peu arrière. Tout ça, ça peut se faire sans la Swiss. Hein. Ça fonctionne très, très bien. Bon, beaucoup mieux parce que beaucoup plus facile si vous souffrez déjà sans la Swiss. Pensez à ceux qui l'ont. Allez, 5, 4, 3, 2, non, pas du tout. 10 secondes, n'importe quoi, moi. Allez. Et il me manque 30 secondes, donc c'est pas grave. Mon truc n'a pas marché. Allez, on se met sur le dos. Et on termine par les crunchs. On va en faire, allez, 15. 1. Montez. 2. 3. Allez, comme si vous donniez un coup avec votre bassin et votre pubis. 4. 5. Allez, on va voir le plafond là-bas. 6. Allez. 7. 8. 9. Allez, il n'en reste plus que 5.
4, 3, 2, 1, et le 0 pour la fin. Top. Stop. Voilà. C'est fini, les amis. C'était un bon training de 45 minutes. Bon, après, il y a du blabla aussi. Hein. Désolée, hein, les exercices sont toujours un petit peu originaux. Du coup, on blablate. Vous restez sur la petite Swiss ball. Moi, je vais enlever mes petites chaussures. Vous respirez un bon coup. Ah là, j'avoue que celui-là de training, bon, c'est bien quand on alterne quand même. Hein. L'année dernière, il était un petit peu plus soft, mais très sympa, très fun, très rigolo. Très endurant. Cette semaine, très dynamique, très explosif. Après, c'était prévu aussi, hein, que ce soit très, très explosif aujourd'hui. Mercredi, on va travailler son bout du corps. Il va falloir que je trouve des idées un peu plus originales, hein, parce que c'est pas toujours pareil. À moins que vous n'en ayez pas marre, si vous voulez faire pareil, dites-moi. Ok, on reste assis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc se lever de la Suisse et on va se mettre en lotus. Allez, mettez-vous en lotus. Oh, peut-être pas entier, j'avoue que je ne suis pas assez souple là aujourd'hui. On se redresse, on respire. On va faire redescendre le cœur doucement. On souffle. On contracte le périnée, arrive en bas. On va faire une respiration aujourd'hui. On va apprendre à respirer en version carrée. Donc, je vais faire un timing très simple. Vous allez inspirer avec votre ventre et votre poitrine 5 secondes. Retenir 5 secondes en haut, 5 secondes de descente et 5 secondes en bas. Vous retenez votre respiration. D'accord ? Elle est carrée. On monte, on tient 5 secondes, on descend, on retient 5 secondes, poumon vide. Donc, poumon plein, poumon vide. OK ? On va le faire 3 fois. Allez, on va apprendre ça. On respire 5 secondes. Bloc. Et on souffle. Bloc. On respire. Tirez. Bloc. Et on souffle. Soufflez fort. Bloc. On respire. Fort, fort, fort. Bloc. Et on souffle fort. Bloc. Ok, cette respiration carrée, vous pouvez la faire beaucoup plus longtemps que ça. Vous pouvez tenir beaucoup plus en descente et en montée. C'est simplement, quand vous êtes en stress, ça vous permet de vous remettre à niveau. Et surtout, si vous le faites beaucoup plus lentement, mais en respirant très fort, vous allez voir que vous allez apprendre à tenir de plus en plus long. Bien sûr, les yogis font du 20 secondes de montée, 20 secondes de détente. Enfin, ils s'en foutent. Donc, moi, j'essaie de faire du 10-10-10. C'est déjà un très gros progrès pour moi. Et vous allez voir que la respiration carrée, c'est un super exercice à faire. Donc, ça me change un peu des étirements. Vous allez tirer évidemment un petit peu. Je vous laisse un petit peu faire des étirements pour vous en fin de séance, si vous voulez, ou dans l'après-midi ou ce soir. Intégrer ce genre d'exercice. Si vous voulez que j'en mette en place, dites-le-moi. Ce sera avec grand plaisir que je mettrai en place pardon, des exercices d'étirement, des séances entières d'étirement et de pilates si vous voulez. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée ou fin de nuit ou de journée entière ou je ne sais quoi quand vous ferez cette vidéo. Et bah, écoutez, on se retrouve mercredi pour le haut du corps. Et en attendant, moi, je vais aller manger et travailler. Bisous, bisous. À tout à l'heure ou à plus tard.